Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat-revente donc en rapport avec la Tech 59 tout simplement. Donc dans cette vidéo tout simplement je vais vous montrer un joueur avec lequel on va faire un maximum de bénéfices. Donc voilà, je vous raconte un peu l'anecdote. Dimanche j'étais rentré de Disneyland tout simplement et j'avais la flemme de faire mon fut champ, mais il me restait qu'une victoire pour être qualifié, j'ai fait que 10 victoires. En plus j'étais parti en bombe, hein, j'étais parti sur du 6-0, tout simplement. Et voilà, j'avais pas envie de finir mon fut champ, je partais à Disneyland. Donc je suis rentré et je me suis posé tout simplement. Et j'ai fait un maximum d'achat-revente dans Tech 59. Et bien je peux vous dire que sur Alan Saint-Maximin, ça voilà, ça marchait vraiment bien. Alors après c'était dimanche soir. Vraiment, ça dépend des jours. Mais je peux vous le conseiller, vraiment, c'est le soir. Surtout le soir, donc vers 20h, 21h, ça va tomber comme des petits pains. Donc après, vous pouvez le faire à 18h également, hein, mais voilà, ça tombera un peu moins bien. Mais vraiment, entre 20h et 21h, ça tombe et ça tombe, mais vraiment, vraiment efficacement, le plus efficacement possible. Donc faut savoir que vraiment, j'ai lâché également, je vais vous expliquer ça, j'ai lâché FIFA. Très rapidement parce que voilà j'avais quelques soucis donc je me suis remis à FIFA et c'est vrai que vraiment l'équipe que j'ai actuellement donc ça peut paraître comme une petite équipe à ce stade de FIFA mais cette équipe j'ai packé presque jamais quoi j'ai packé allez le seul bon joueur que j'ai dû packer c'est Isco et vraiment j'ai fait de l'achat-revente à donf et donc du coup j'ai pu m'acheter donc faire le SBC Icon qui était à 300 400 000 avant. Donc au final j'ai chopé Zambrotta, mais bon 300 400 000 tu les as peut-être en jouant, mais bon moi c'était qu'avec de l'achat-revente. Et vraiment voilà, si j'ai pu me permettre d'avoir une bonne équipe comme celle-là, à ce stade de FIFA c'est de la merde, hein. Mais une bonne équipe comme celle-là, je l'avais. Voilà, les crédits je l'avais assez tôt. C'était vraiment grâce à cette achat-revente. Donc aussi, voilà, je me justifie un peu pour vous prouver que vraiment les vidéos que je vous fais sur l'achat-revente, voilà, ça marche vraiment bien. Parce que j'ai vu certains commentaires qui disaient que les astuces marchaient pas. Si, si, ça marche, c'est parce que après vous les faites peut-être pas en temps et en heure. Mais vraiment, les astuces que je vous donne, ça marche. Et donc, Alan Saint-Maximin, revenons à nos moutons. Alan Saint-Maximin, vous l'achetez à 1002, tout simplement, vous mettez pas AD, hein, c'est un mauvais exemple. Tout simplement, donc vous l'achetez à 1002 et vous le revendez à 1006, 1007. Donc après, vraiment, si vous voulez que ça parte, 1006. Mais vraiment, si vous voulez allez, gagner 100 de plus, vous mettez 1007. Donc pourquoi vous ne mettez pas de poste? On pourrait mettre AD, tout simplement. Eh bien non, parce qu'il peut tomber en MD. Et en MD, il va se revendre 1008, 1009. Donc ça vous fait un bénéfice de 1900 crédits. Donc je vais un peu skipper. Voilà, je vais pas le faire pendant toute la vidéo. Parce que voilà, vous savez que la Tech 59, ça peut être rapide comme ça peut être très long. Donc voilà, on va le faire. Donc bien sûr, hein, comme à chaque vidéo, j'oublie de filmer tout simplement. Et bon, encore un qui s'est vendu. Et j'en ai chopé 3 tout simplement avant de vous tourner cette vidéo. Et comme par hasard, à chaque fois, quand je prends la vidéo, je vais en choper aucun. Donc voilà, vous avez la preuve tout simplement qu'ils se sont revendus les 3 que j'ai chopés il y a 5 minutes. Donc, je les ai chopés à 1002. Et pourquoi il se remet en AD? Ça m'énerve parce qu'à chaque fois que je skip, ça revient dans le menu. Parce que je le fais trop vite en fait. Bon voilà. Vous voyez, moins de 20 secondes, il est tombé. Donc je vais aller lui remettre un peu de contrat. Je vais regarder vite fait si on a encore un. Bon sinon vous avez vu le principe. Donc là on commence à être le soir. Hein. Je sais. Je crois qu'il doit être 18h30, 40. Par exemple, à 17h, il tombait pas, quoi. Là, on approche vers le soir, il va tomber, voilà, il va tomber de plus en plus, vous voyez? Tac, j'en ai eu un deuxième, en moins de... Je sais même plus, moi. Je vais le mettre en canonnier, on va regarder. Vous voyez, en moins de, allez, 30-40 secondes, j'en ai eu deux, quoi. Donc, on va voir, canonnier, il vaut combien? Peut-être qu'il va coûter plus cher. Tac, canonnier... Il coûte un peu plus cher. 1009 canonnier. Donc on va le remettre à 1009. Donc on va déjà aller voir celui qu'on a chopé. Donc après, ouais, vous pouvez, c'est si vous avez des trucs ADMD que vous avez eu en invendable, ça vous n'hésitez pas à les mettre, comme ça vous le revendez un peu plus cher. Hein. AD, Alan Saint-Maximin. Je vais sur lui. Et voilà, je lui mets des contrats. Par exemple, si j'ai un poste, je peux le mettre. Bon, après, ça dépend aussi de ce que vous avez dans votre club. Voilà, ADMD.
je le remets et je peux le revendre à 1008. 1008, 1009 quoi. Moi, je vais le mettre à 1008. On va aller voir celui qu'on a mis sur la liste de transfert. Hop. Envoyé au club. Donc faut toujours en fait qu'il y ait un minimum de 7 contrats et 99 de forme. Sinon il partira pas. Si vous avez 80 de forme, il partira pas, c'est sûr et certain. Nous on peut les acheter avec 80 de forme, mais si on les vend à 80 de forme, ils partiront pas. AD, Maxima. Donc là par exemple, ouais, y a plus qu'un contrat le petit. On va lui mettre de la forme quand même. Tac. Je mets de la forme. Je mets un contrat. Je mets le ADMD. Ah oui, mais attendez. J'ai regardé Cannonier en AD, mais j'ai pas regardé Cannonier en MD. Donc on va pouvoir peut-être le revendre plus cher. Maxima, Cannonier MD. Et voilà. Faut bien regarder ça. Ah ouais, 2400 crédits. Donc vous voyez, ça c'est vraiment intéressant. Donc on est à du 2004, donc on va pouvoir le revendre à 2002-2003. Ah, faut faire attention, faut faire attention. Parce qu'on peut perdre des bénéfs comme ça, hop. Bon, on va le mettre à 2002-2003. On va essayer d'aller en choper un dernier. Donc là, je viens de découvrir avec vous qu'il faut bien regarder les styles. Donc là, c'est qui vient de partir? Non, c'est pas le canonnier. Mais il est reparti à 1008. Hop. On va recommencer. Eh vraiment. Vraiment, je vous l'avais dit, on arrive au soir, ça tombe comme du petit pain. En moins de. Allez, alors. En moins d'une minute, on a chopé 3-4. Et encore, il est tombé plus de 3-4 fois. C'est parce qu'on n'a pas réussi à les avoir. Donc on va essayer une dernière fois. S'il veut pas tomber, c'est pas grave. Allez, petit maximum, un petit dernier. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez vraiment que je vous mens pas et que c'est vraiment efficace. Donc n'hésitez pas à aller tout simplement à Donf sur Alan Saint-Maximin pour fête, pour faire pardon, votre Tech 59. Je ne sais plus parler français. Et vraiment, vous avez monté. Putain, mais j'arrive pas à parler. Vous allez monter très très vite en crédit si vous faites votre Tech 59 sur Alan Maxima. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à commenter, à partager et de surtout vous abonner. Allez, salut la team!